Salut à toutes et à tous, bienvenue au club, ou plutôt bienvenue dans le club, l'émission des fédérations du mouvement olympique et qui est aussi l'ADN évidemment de Sport en France, cette émission, c'est-à-dire que tous les 15 jours, ici sur ce plateau, on essaye de vous faire découvrir des disciplines, des champions, des compétitions et... Je crois que c'est trois cases. Eh bien, aujourd'hui, on les coche dans le club puisque vous connaissez cette discipline si vous êtes des habitués à Sport en France, évidemment. Aujourd'hui, on va vous parler Biking Man. Biking Man, championnat du monde d'ultra-cyclisme. Cyclisme d'ultra-distance, vous l'aurez compris, avec aujourd'hui un bilan d'une belle saison 2023 que vous avez suivie sur nos antennes et une petite projection sur les nouveautés à venir. On va sortir de cet hiver français et on va se projeter sur quelques destinations assez sympathiques, notamment, même si l'effort, lui, l'est peut-être un petit peu moins. Axel Carion est avec nous, le fondateur explorateur, fondateur de ce Biking Man. Salut Axel. Salut Maxime. La forme ? La forme toujours. Bon, très bien. Il est votre acolyte, notamment sur ces rendez-vous Biking Man, un journaliste qui vous accompagne et grâce à qui on a tous ces insights et ces résumés sur l'antenne de Sport en France. Cédric Ferreira nous fait l'amitié de nous accompagner. Ça va Cédric ? Salut, ça va très bien. Ouais. Quelques petites sorties vélo là ? Pas trop. J'ai beaucoup de travail à côté, c'est difficile de se motiver. Oui, ce Tour de France Covid avec votre acolyte, quand vous a fait mal. Quand Axel m'emmène, c'est plus facile. Quand je suis tout seul, dur. C'est ça, effectivement. Et puis, nous accompagne à distance, et peut-être parce qu'elle aime être loin et loin de Paris, peut-être, pour trouver des terrains de jeu qu'elle affectionne. La vainqueur de Biking Man 2023, Lauriane Placet, est avec nous. Bonjour Lauriane. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Dis bonjour à tous. Oui, je vous demandais si ça allait bien. Ah, j'avais pas le son, ouais, ça va très bien. Bon, et bien super, formidable. Non, je rigole, c'est évidemment le travail qui vous empêche d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de ce succès en 2023 et on va parler de vos prochaines échéances aussi avec la nouvelle édition, la 7e, dis-nous, qui arrive à grands pas. Maintenant, c'est parti, vous êtes prêts ? Toujours. Allez, sur la chaîne du sport, notre chaîne est bien graissée, la selle vissée, on parle Biking Man, à tout de suite. Il y a quelques mois, c'est donc achevé ce Biking Man version 2023, remporté par Lauriane, et c'est une première de voir une femme remporter cette compétition. Avant de parler performance, pour celles et ceux qui n'ont pas assisté aux épisodes précédents, si je puis m'exprimer ainsi, Axel, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous rappeler ce qu'est Biking Man, ce qu'est cette institution en cours, en tout cas en création, depuis 7 ans maintenant. Alors c'est un championnat du monde de course d'ultra-distance, mais plutôt d'événements humains et sportifs, dont le but c'est de parcourir 1000 km à vélo au cœur des territoires les plus épiques ou qui rassemblent les conditions topographiques et climatiques les plus folles de la planète, dans un temps limite de 120 heures avec une autonomie totale. Donc il faut transporter la totalité de son équipement dans l'esprit d'un Pékin Express pour progresser du départ jusqu'à l'arrivée, seul ou en équipe de deux. Oui, alors il y a quand même une mention qui n'a pas été faite dans ce brief. Vous avez parlé de topographie. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut peut-être ajouter aussi la difficulté supplémentaire à ce qui est déjà complexe, n'est-ce pas ? Alors, chaque étape, moi je suis passionné de vélo, je suis passionné d'ultra-distance, je fais moi-même beaucoup de vélo bougre et d'exploration. Et ce qui me plaît, c'est les montagnes, ce qui me plaît, c'est l'altitude, ce qui me plaît, c'est d'aller sur des routes mythiques, des routes secondaires, pistes et asphalte. Et bien sûr, il y a une déclivité, il y a du dénivelé positif, c'est vraiment des épreuves de l'extrême, XXL, taillées pour des athlètes spécialisés ou pas d'ailleurs dans l'endurance, mais qui cherchent quelque part le défi un peu ultime en termes d'ultracyclisme. Donc sur ces 7 étapes du circuit principal que vous aviez en 2023, c'est 10 000 mètres de D+ à minima, c'est ça ? Alors c'est même, on se rapproche plutôt des 20 000 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire que si une personne veut défier la totalité des 7 étapes, ça fait 7 000 km au total à parcourir avec presque 140 000 mètres de dénivelé positif, soit 3 fois et demi à peu près le dénivelé du Tour de France.
Effectivement, voilà, on ne va pas rester évidemment que sur des stats. L'idée, c'est de, d'évoquer cette, cette aventure humaine aussi. Et surtout, je dirais, à propos d'aventure humaine, le, à l'époque du pilote, ce Biking Man 2016 là, que vous aviez conçu, une femme et 16 hommes avaient participé à cette édition zéro, on va l'appeler ainsi. À l'issue de cette saison 2023, j'ai dénombré 38 finishers qui ont terminé au moins deux courses. L'évolution de la compétition est quand même assez fulgurante. Est-ce que le, la, la réalité a dépassé le rêve que vous aviez au départ, Axel? Ouais, je pense que vous y participez aussi pour nous donner la parole avec Sport en France. Et Cédric aussi y participe en tant que journaliste parce que ça a été un des premiers justement à mettre en avant cette discipline avec le Biking Man et faire parler de cette pratique sportive. Bah, quelque part, comme toute pratique extrême. À un moment donné, au départ, ça attire les tout premiers explorateurs et exploratrices. Et puis, petit à petit, il y a des gens qui sont inspirés par les histoires de ces athlètes et se lancent à leur tour dans cette discipline. Et quelque part, c'est en train de... Alors, j'aime pas le terme se développer parce que ça reste quand même... On est sur, à l'année, 1000 athlètes au maximum. Donc, ça fait 100 à 150 participants par, par manche du championnat. Maximum, ça veut dire que c'est une limite que vous mettez, vous ? Dans le suivi du casting pour... À la fois, c'est une limite presque organique. C'est-à-dire que pour pouvoir se lancer sur une épreuve de 1000 km, encore une fois, on traverse la France, hein, du nord au sud, en autonomie complète. Il n'y a pas de voiture suiveuse, il n'y a personne qui vous donne un bidon, qui vous alimente ou qui vous répare une chambre à air. Vous devez vous débrouiller du départ jusqu'à l'arrivée. Et votre vélo pèse deux fois plus lourd qu'un vélo du Tour de France. Il fait 14 kg en moyenne. Donc, il y a cette notion d'autonomie, il y a ce filtre naturel de l'aventure qui se réalise au départ. Axel, Lauriane parle de personnes qui ont été inspirées par des premiers exploits. Je crois que vous avez découvert l'ultra-distance sur le tard, si je peux me permettre. Lauriane, comment vous est venue cette envie d'évasion, de découverte? Moi, j'étais un peu forcée. Ah bon? Mon mari travaille chez Origine et c'est venu de là en fait, c'est avec le partenariat entre Biking Man et Origine. Il a dit bon bah ce serait bien que des gens qui roulent sur Origine viennent sur Biking Man. Donc voilà comment ça s'est passé. Ah c'est terrible, c'est terrible. Et vos premières, vos premiers émois sur le cyclisme, des longues sorties, je crois que c'est même à l'après Covid, donc c'est hyper récent pour vous. Ah non, non, moi j'ai commencé le vélo à 18 ans et j'ai toujours aimé rouler longtemps en fait. D'accord. J'ai commencé le triathlon, je me suis tout de suite mise sur les... Enfin, j'ai fait du triathlon en 2008, enfin j'ai commencé en 2008 et je me suis tout de suite mise sur les longues distances. D'accord. Et c'est le vélo qui me... c'est le vélo qui me... qui m'attirait quoi sur le triathlon et oui c'est j'ai toujours été un peu attirée par longue distance sans m'y mettre parce que j'avais des freins où je m'en pensais pas capable. D'accord. Et aujourd'hui quand on entend les chiffres énumérés par Axel, comment vous expliquez que cette communauté justement d'ultra cyclistes elle augmente comme ça et qu'il y ait une forme de fascination qui devienne une réalité qui se concrétise? Ah, il y a un petit peu une mode du toujours plus. On le voit avec la course à pied et ça se développe un peu sur le vélo. Après, il y a la démocratisation des cyclosportives et ça tend un peu à toutes les disciplines. Enfin, ça tend un peu à les distances tendent à se à grandir en fait. On a l'étape du Tour et maintenant on a le Tour du Mont Blanc qui est assez célèbre. En fait, petit à petit, les distances s'allongent. Tout à fait. Je le vois un peu comme ça, cette démocratisation du long en fait à vélo. Sur des disciplines amateurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez l'occasion, Cédric, justement, de les suivre depuis de nombreuses années, tous ces champions, parce qu'ils en sont. Ils ont une hygiène de vie, ils ont évidemment au quotidien une résilience qui leur permet de faire ces efforts-là. Tel un petit peu un Tintin, hein. On découvre grâce à vous ces expériences un peu partout dans le monde. Quel est leur dénominateur commun à tous ces champions que vous avez interviewés, que vous avez suivis, leur moteur, sans mauvais jeu de mots? Leur moteur, je dirais, c'est quand même la persévérance, parce que c'est des efforts très très longs. Il faut savoir que 1000 km, le règlement de la course le prévoit de le faire en 5 jours maximum, donc il faut quand même garder un rythme constant pour être dans les temps. C'est 200 km par jour, hein, si on veut être dans le temps limite. Je dirais c'est la constance, oui, la persévérance, c'est les... peu importe le niveau en fait, d'entre eux. Lauriane qui a gagné le championnat, elle va très très vite, mais il faut savoir que 90% des participants, c'est des sportifs amateurs.
comme vous et moi qui font une discipline sportive, pas forcément du vélo d'ailleurs, mais qui quand même arrivent au bout de l'aventure et qui prennent conscience au fur et à mesure qu'ils sont capables, comme Lauriane, de finir une épreuve ainsi. Donc je dirais que ouais, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est leur persévérance dans la difficulté, c'est-à-dire ils peuvent très bien avoir des pannes mécaniques au bout de 50 bornes, trouver la solution. Parce que la solution de facilité, ça serait d'abandonner. Ah bon, mon vélo est cassé, je rentre chez moi, je ne suis pas loin du départ. Et il y en a beaucoup qui, au contraire, vont se dire « Bon, je vais perdre 5-10 heures pour réparer mon vélo, mais je vais tout faire pour aller au bout de mon aventure. » Et au final, au-delà des chiffres qu'on vient de parler, au-delà des exploits sportifs, le plus important pour tous les participants, c'est de passer cette ligne d'arrivée. Et c'est ça le point commun entre Lauriane et le dernier d'un Biking Man. Oui, cette ligne d'arrivée. Donc en 2023, on va parler de cette édition évidemment. Cette épreuve, Axel, on voit quelques images du Maroc, le X qui était l'avant-dernière épreuve. On commence au Portugal, la Corse, les Alpes-Maritimes, l'Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, le Brésil, Maroc donc, et enfin Taïwan. Ils ont beau être des champions comme Lauriane, ces athlètes-là, ils n'ont pas fait toutes les étapes. Si, il y en a qui vous ont suivi sur les 7 étapes ? Non, pas cette année. Là, en l'occurrence, la majorité des participants, parce qu'il faut quand même remettre, et j'appuie le propos de Cédric, c'est 1000 km à vélo, quoi. Donc on a en moyenne à l'année sur la saison 1000 participants, mais la majorité font déjà une épreuve, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est 5 jours d'effort, mais surtout, c'est 400, 500, 600, 700 heures d'entraînement dans l'année pour pouvoir se permettre de se lancer le défi et surtout oser aller sur la ligne de départ. Donc l'engagement de temps, il est quand même énorme. Et c'est la particularité aussi de la discipline sportive du vélo, c'est que ça consomme beaucoup de temps. Même si vous n'allez pas vite, il faut quand même passer du temps sur la selle pour se préparer pour le Biking Man. Donc il n'y en a pas beaucoup quelque part qui se dédient, et Lauriane le fait très bien, il y en a quelques-uns qui ont, voilà, en plus du travail, en plus de la famille, ils s'ajoutent d'autres contraintes pour essayer quelque part d'en faire plusieurs. Mais déjà en faire une, c'est extraordinaire, parce que c'est 5 jours complets de compétition. Donc c'est 5 fois un Ironman, en fait. Exactement. C'est assez prodigieux. Lauriane, vous en avez disputé 4, je crois, à l'occasion de cette édition 2023. Comment vous avez choisi votre casting ? Un petit peu de carte topographique, vous avez regardé les parcours, vos disponibilités professionnelles, parce que évidemment vous avez un métier, vous êtes web designeuse à la ville. Comment vous avez établi ce programme l'an dernier ? Moi, je voulais faire le France. C'est le deuxième que j'ai fait, qui était fin juin. Et en fait, je voulais marquer des points en championnat. Donc, j'ai articulé le premier et le dernier de la saison. Et le France, c'est Euskadi. D'accord. Juste le X au Maroc en fin de saison. Donc, j'ai fait le Portugal un peu pour le plaisir, mais aussi pour marquer des points de sûreté, entre guillemets, pour le championnat. Et j'avais calculé d'avoir assez de temps de récup, en fait, entre chaque course, qui avait entre 7 et 8 semaines entre chaque course, donc ça me permettait d'aborder chaque course en pleine forme, quoi. Entre guillemets, se régénérer, si on peut dire ça, mais évidemment, avec votre niveau de préparation et d'entraînement, je pense qu'il faut le mentionner, ça aussi, Axel, c'est une porte d'entrée de découverte de plein de choses, y compris de soi-même. Et donc, vous l'évoquiez, hein, une étape, participer à une étape est déjà en soi un magnifique exploit. Mais là, avec Lauriane, on parle d'une personne exceptionnelle sportivement parlant. Alors, il faut effectivement remettre l'église au centre du village. Ce qu'a fait Lauriane, c'est stratosphérique en termes de performance, au regard du nombre de participants qui se sont élancés sur le Biking Man depuis la création. Parce qu'on est aujourd'hui avec un historique de 38 épreuves. Et pour l'instant, c'est la première fois qu'il y a une personne qui se positionne en tête du championnat en tant que féminine avec ce niveau de performance. 4 fois finisseuse, je le dis, hein, une victoire, 2 deuxièmes places et 1 quatrième place sur les 4 étapes disputées, donc sur les 7 de ce calendrier. C'est assez hallucinant, en effet. Mais en plus, on ne se rend pas compte, parce que je vais paraphraser Lauriane, mais elle l'avait partagé dans la presse, on ne se rend pas bien compte, en fait, de l'engagement. Il n'y a que ceux qui pratiquent, qui savent ce que ça coûte de s'élancer sur ce type d'épreuve, parce que c'est des épreuves totales, notamment quand on vise la gagne. Autant, moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour les finishers, ceux qui terminent en dernier et qui luttent devant et face à tous les défis, mais pour pouvoir tenir la tête d'une épreuve, d'être dans le top 3, à la fois il faut prendre des risques, à la fois il faut avoir récupéré, il faut avoir une gestion totale de plein d'imprévisibles qui font que c'est quand même compliqué de gagner au loto à chaque fois et d'être toujours dans la notion de performance et de pouvoir faire ce que fait Lauriane, savoir des podiums ou très bien se placer
sur chacune des épreuves. L'imprévu, Lauriane, comment vous avez appris à le gérer? Parce que je me souviens de votre première interview après le premier que vous effectuez et vous partiez dans l'inconnu. Comment on gagne, entre guillemets, en savoir-faire et en connaissance de l'imprévu? C'est l'expérience et on retient en fait chaque expérience précédente, on la retient et puis on apprend quelque chose. Puis aussi tout ce qui se passe au quotidien qui fait qu'on apprend aussi, à gérer. Et des fois, il faut pas se poser de questions en fait. Je pense que c'est le plus simple. Faut avancer coûte que coûte. Et pour être encore plus concret dans ce qui concerne l'effort, on en parlera de cet effort avec Cédric notamment qui en voit beaucoup de visages marqués et qui voit cet effort des sportifs. Vous, en termes de préparation, vous évoquez une régénération de 8 semaines entre chaque étape, mais qu'est-ce que vous devez, entre guillemets, infliger à votre corps pour vous préparer à ce temps long et à cet effort majuscule? Pour moi, c'est rouler. C'est pas rouler très longtemps, mais c'est rouler souvent, tous les jours. Dès que la météo le permet, je fais les allers-retours au boulot à vélo. Donc ça me fait 80 km dans la journée avec du dénivelé, plus le midi, plus le week-end. Et en fait, c'est la régularité qui va payer. C'est pas les longues distances, c'est surtout la régularité et que le corps intègre de fournir un effort constant en fait. Et après, une fois sur la course, on se pose plus de questions et on avance quoi. Effectivement. Et parmi la liste des imprévus, Cédric, à part effectivement essayer de trouver un endroit pour dormir si on sent que la fatigue arrive, les impondérables, ils peuvent être de plein de sortes, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez parfois vu, subi pour les athlètes et vous découvert pendant ces différentes épreuves que vous avez arpentées? Ce qui est amusant dans un bikeman, c'est que tout est possible. À partir du moment où la course est lancée, tout peut se passer. Et quand je vous dis tout se peut se passer, c'est... des cyclistes qui ont cassé leur dérailleur au bout de 10 bornes, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'un dérailleur, vous ne pouvez pas le réparer, vous pouvez réparer une chaîne. Donc, il faut trouver une solution. Bon, il y en a qui abandonnent, il y en a qui arrivent à le bricoler pour aller à la ville la plus proche et le réparer. J'ai vu au Laos, c'est aussi pareil, au bout de 20 bornes, des gens qui cassent leur rayon, donc abandon. Il y a les problèmes aussi digestifs, puisqu'on est toujours dans une position assise sur le vélo. Donc, tout ce qui est nutrition, etc., ça cause des problèmes. Lauriane en sait quelque chose, elle qui a souvent des problèmes et qui arrive à les surmonter pour quand même gagner les épreuves. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'engagement. Tout est possible. Et il y a même l'équipe, la logistique d'organisation. Axel peut en parler aussi. Il y a les coureurs, mais il y a tout ce qui se passe autour aussi qui est compliqué à gérer. Je suis bien placé pour en parler. J'ai eu un accident en filmant les cyclistes où je suis tombé d'une voiture. Donc, vous voyez, le bikeman, c'est l'aventure pour les cyclistes et aussi pour toute l'organisation. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est un événement unique. C'est que même les proches qui suivent les coureurs sur Internet avec le live tracking participent eux aussi à l'aventure. Donc, en fait, c'est comme un cirque ambulant où... ou même si on n'est pas cycliste, même si on n'y connaît rien en vélo, on peut quand même suivre ça, c'est accessible et c'est ce qui donne le sel de tout ça. C'est ce caractère imprévisible finalement. Oui, imprévisible, mais il y a quand même une petite armée de bénévoles là. C'est Race Angels qui sont là, qui officient en coulisses, qu'on voit peu, mais évidemment qui sont un soutien important malgré cette quête évidemment principale, celle de l'autonomie. Essentiel même, c'est les témoins. À la fois des exploits que réalisent les athlètes, c'est le miroir quelque part aussi de ces athlètes-là, parce que je reviens souvent sur un adage, c'est l'étymologie du mot compétition et concourir, c'est courir avec quelqu'un et non pas courir seul ou courir contre. Et on est dans un esprit, je pense, rare et pur de compétition, c'est-à-dire que les gens se retrouvent pour faire la compétition avec Maxime, avec Cédric, mais également avec l'orga, dans le sens où finalement, si on enlève tout ça, on enlève les participants, on y va seul, on enlève les Race Angels, il n'y a pas de Biking Man. Parce qu'on le fait, parce qu'on est rassemblés autour d'un objectif qui paraît trivial, mais qui est génial, qui est celui de tenter de parcourir 1000 bornes à vélo en moins de 120 heures. Peut-être trivial, quoique, Lauriane, non contente certainement de le trouver trivial, évoquait au moment de son triomphe ses souvenirs de route amassés, ces souvenirs qui restent dans la rétine. Quid justement de cette expérience dans sa globalité? Qu'est-ce qu'il en demeure de ce sacre quelques mois plus tard, là, Lauriane? Qu'est-ce que vous gardez en tête? C'est pas le sacre, c'est vraiment les expériences sur la route.
C'est ce qui me revient en tête, c'est des moments sur la route. C'est pas la réussite finale, c'est vraiment le chemin, chemin pour y arriver, quoi. Sur chaque course. Et justement, Lauriane, est-ce que vous avez, dans ces 1000 km, évidemment beaucoup de temps pour penser, beaucoup de temps pour oublier la douleur, oublier ce qui fait mal, est-ce que vous avez des petits tips, des valeurs refuges, une to-do list, une checklist? Oh, punaise, je viens de monter un col mythique, punaise, je vais m'attaquer à un truc que je voulais faire. Qu'est-ce qui vous fait tenir et braver cet effort-là? Pour la douleur, c'est l'oublier en fait. Et quand ça la passe, c'est oublier et plus penser à rien. Et après, moi, je visualise beaucoup le circuit en fait. D'accord. Quand je le connais, je visualise beaucoup où je suis, où je vais me placer, ce qui va se passer après, et ça occupe en fait. Après, je profite beaucoup en fait de l'instant. Je profite de l'instant sur le moment, que ce soit le jour ou la nuit, qu'on prend. Je prends ce qu'il y a à prendre. À ce moment-là, quoi. Très bien. Et même quand c'est un micro-sommeil, je vous indique d'ailleurs, évidemment, et je vous invite tous et toutes à vous pencher, puisque les mots, mais sur les images de ces différents résumés, Cédric Ferreira y a passé lui aussi quelques nuits blanches comme les sportifs au moment de faire ces étapes. C'est sur l'appli Sport en France et vous verrez le petit matelas de fortune, mais alors XXL, surtout pour vous, Lauriane, au moment de dormir, vous prenez pas beaucoup de place, vous êtes très efficace sur ces moments de récup. Lauriane, vous allez remettre ce titre en jeu en 2024. Il est question de se plonger sur les mois à venir avec cette 7e édition. On en parle dans la deuxième partie d'émission. Ouverture donc le 8 mars au Brésil pour ce que vous appelez un 555, c'est ça? Donc on est sur des half entre guillemets, c'est des distances un petit peu plus courtes. Vous avez mis cette nouvelle discipline à votre arc, si je puis m'exprimer ainsi, Axel, c'est ça? Alors le format 555, il est différent de ce qu'on a évoqué avant du championnat, c'est-à-dire du 1000 km avec les différentes manches. Le 555, c'est une épreuve sur un week-end qui mélange les ingrédients du Biking Man avec en plus une variante qui ajoute beaucoup de sel, qui est la variante gravel avec la piste. Combien de vous pouvez donner un pourcentage un petit peu de ce qu'il y a à parcourir en gravel? Alors pour le Brésil, donc, ce qui va se situer dans l'état de Santa Catarina, la frontière avec l'Uruguay, donc un territoire qui est vraiment paradisiaque pour pratiquer le gravel, c'est 50% de piste. Et 50% d'asphalte. Ok, c'est dans l'air du temps, hein. ça se démocratise beaucoup, donc ça va être un carton. Épreuve intermédiaire, vous en avez trois dans le calendrier, hein, c'est ça donc? Tout à fait. 500 km en 55 heures, d'où 555. C'est déjà quand même une mise en bouche relativement sympathique, n'est-ce pas, Cédric? Première vraie épreuve, si je puis m'exprimer ainsi, c'est au Sri Lanka le 28 avril. C'est une première? Non? Je me trompe? Le Sri Lanka, ça va être une première. Et on va revenir un peu aux sources du Biking Man, parce que là, pour le coup, en termes d'exotisme, à la fois les gens qui suivent le Biking Man et les participants qui sont engagés, je pense. Et qui vous connaissent un petit peu, surtout, parce qu'on connaît cette volonté d'explorer, de découvrir qui est la vôtre. D'ailleurs, comment on travaille à l'arrivée d'une nouvelle date dans le calendrier, si je peux. Alors, c'est très pragmatique ce que je dis, hein, mais d'une nouvelle date comme ça, reco perso, réseau local, comment vous avez fait? Racontez-nous. Ben, on passe beaucoup de temps. Parce que là, en l'occurrence, le Sri Lanka, c'est presque 3 ans d'échanges, de visites sur place, de reconnaissance. Cédric, on se sourit parce qu'il a participé à la reconnaissance des parcours. Les images qui défilent derrière Axel, ça rappelle les souvenirs. Il connaît les conditions dans lesquelles on les réalise et ça met beaucoup de temps en fait. Hein. Ça part d'une idée au départ, moi, d'aller explorer un territoire parce que j'en entends parler plusieurs fois. Je me documente, je recherche, je lis. Et le Sri Lanka, en l'occurrence, a beaucoup d'histoires à explorer en vélo, notamment par son passé colonial, parce qu'il y a une infrastructure routière et de piste qui est liée à l'exploitation notamment du thé, qui aujourd'hui permet de transformer ces infrastructures actuelles pour les utiliser en gravel avec ces pistes qui sont extraordinaires, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Par contre, il y a une ambiance d'exotisme qui est rare. Et moi, c'est ce que j'aime partager auprès des participants, c'est une découverte culturel, c'est un voyage avant tout, au-delà de l'effort, c'est de ramener des souvenirs qui restent gravés, comme disait Lauriane, c'est ce dont on se souvient sur ce qu'on a vu sur la route ou sur les pistes finalement qui restent. Nouvelle destination à l'étranger, Lauriane, déjà inscrite pour le Sri Lanka, ça vous chauffe?
C'est possible, oui. C'est possible, on n'en saura pas plus. On n'aura pas d'infos tout de suite. On espère vous y trouver, évidemment. Derrière le Sri Lanka, je reviens vers vous juste après, Lauriane. Un calendrier que je qualifierais d'un peu plus habituel pour celles et ceux qui suivent un petit peu vos pérégrinations. Trois étapes françaises que l'on connaît bien. La Corse et ce concentré de difficultés, Aura, Alpes-Maritimes, et puis Brésil, le X au Maroc, et puis Taïwan pour finir en novembre 2024, comme l'année dernière, donc place forte de l'épreuve. Là aussi, il y a quelques endroits réguliers. Rien que l'évocation de ces pays, je vois les yeux grands ouverts. Il y a toujours cette âme en vous de l'exploration, Axel, de faire découvrir, de faire passer cette connaissance des territoires à vos sportifs engagés. C'est l'histoire du voyage à vélo, en fait. Quand on aime le vélo et qu'on aime le voyage, à un moment donné, on ne peut pas le garder pour soi. On est tenu quelque part. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon engagement de le partager. Et notamment, et ça me fait sourire parce que je suis super fier de pouvoir revenir à Taïwan, dans des territoires avec beaucoup de préjugés, parce que personne ne connaît Taïwan, ou très peu de gens, notamment sur cette ambiance qu'on peut retrouver en voyage à vélo, sur l'ambiance qu'il y a et qui doit être découverte avec les Taïwanais, parce que c'est une expérience extraordinaire. Et c'est ça le voyage, c'est rechercher la beauté et pouvoir la ramener dans ses sacoches, pouvoir la partager avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis, et découvrir l'autre, découvrir une culture pour porter un regard différent quand on rentre chez soi. Ouais, et ce sont les images de Taïwan qui passent derrière vous et devant vous, Axel, pour vous mettre dans l'ambiance. Lauriane, cette édition 2024, est-ce qu'elle vous a piqué, évidemment, en 2023, pour replonger. Et est-ce que vous avez envie, d'un point de vue compétition, de remettre ce titre en jeu ? Pas forcément le titre, non. Après, c'est aller me faire plaisir sur les épreuves, surtout que la plupart des parcours ont changé. Donc là, ça va être difficile de faire un choix. Mais le titre du championnat cette année, je vais pas le viser. Ça faisait trop cette année en 2024, je veux dire, ça, je vais pas le tenter. J'ai vu qu'en 2023, c'était un investissement qui était vraiment conséquent. 4 courses, c'est trop. J'en ferai 3 maximum en 2024. D'accord. Donc non, je remets pas mon titre en jeu et ce qui me fait plaisir, moi, c'est sur les parcours, donc c'est là que ça va se passer. Ouais, enfin, je suis d'accord avec vous, hein, évidemment, mais moi, l'amateur de ces rendez-vous, j'ai envie de voir votre coup de pédale en montagne, parce qu'on apprend quand même beaucoup, et là, je suis très sérieux. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, Cédric, qui les avait tous filmés, quelqu'un avec un coup de pédale aussi, avec une telle aisance en montagne? Ah, la montagne, en vrai. C'est la spécialité de Lauriane. Ça, c'est vrai qu'elle arrive à garder un rythme constant, peu importe le dénivelé. Mais j'ai des frissons, voilà, ça contre mille bornes et garder cette fluidité-là, c'est fou. Alors on a l'impression, elle sait mieux que nous sur le vélo, mais de l'extérieur, on a l'impression qu'elle souffre jamais, que c'est jamais difficile pour elle. C'est ça qui m'impressionne, moi. Et ça vous vient d'où, ce côté chamois? Lauriane, vous parliez des trajets qu'on appelle, dans le jargon cycliste, le vélo-taf. Ça vient pas uniquement de là, j'imagine? Non, ça, en fait, ça n'explique pas, parce que dès les premières pentes que j'ai fait à vélo, j'ai explosé tout le monde et je ne sais pas pourquoi, en fait. D'accord. Je n'ai pas l'explication, mais j'ai tout de suite eu une facilité en côte. Même à 10 ans, je l'avais déjà. Et quand j'ai commencé le vélo, ça a tout de suite été facile, en fait. Donc, en merci fait, ce que je de fais, nous c'est avoir écœuré, Lauriane. C'est super. Non, au contraire, c'est un plaisir de vous avoir vu dans vos exploits en 2023. Et évidemment, on a hâte de vous retrouver sur les trois étapes que vous choisirez de parcourir en 2024. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous pour cette émission spéciale. Lauriane, vainqueur donc de cette émission, édition 2023, et vainqueur de notre émission aussi, à n'en pas douter. Cédric, petite nouveauté pour 2024 dans les résumés? J'y pense encore, je n'ai pas de secret à vous révéler. Parachute Non, ça va être compliqué, j'aimerais bien, mais Axel ne sera pas d'accord à mon avis. Hein. Sécurité avant tout. Sécurité avant tout, bon, on va essayer d'innover. On va essayer d'innover pour le processus extraordinaire. Juste le mettre un petit peu en danger, mais en toute sécurité. Mais ouais. Ouais, je l'ai déjà fait, ça, donc maintenant je me calme. Pareil. J'aime bien. Mais je réfléchis à des nouveautés. Ouais. Très bien. Très bien, c'est chouette. On essaie de durer.
comme dans, pour la partie athlétique, c'est, le but, c'est de durer parce que c'est quand même des organisations qui consomment énormément d'énergie pour la partie athlète comme pour la partie orga. Je suis très heureux d'entendre Lauriane dire que quelque part, elle veut avoir et retrouver quelque chose dans les courses qui est différent de celui de la pure compétition et de gagner. Oui. Parce que la majorité des gens qui y participent recherchent précisément l'aventure, le dépaysement et tous ces ingrédients-là, en fait. Et on a toujours souvent tendance à avoir le réflexe dans le sport de dire il faut absolument le chronomètre pour avoir un but. Mais la majorité des gens qui pratiquent un sport, ce n'est pas leur motivation, c'est autre chose. Donc vraiment, ça me fait sourire parce que je pense que Lauriane va potentiellement apprendre encore beaucoup plus de choses et plein d'autres ingrédients, quelque part en le faisant d'une manière différente et pas simplement sur... Enfin, simplement. Seulement sous le spectre de la performance. Je crois qu'on a essayé d'en parler effectivement durant cette émission et si vous voulez axer encore un petit peu plus sur la trajectoire de Lauriane, la victoire est en elle. Un épisode avec Alexander Perrier, vous étiez consacré, vous pouvez le retrouver évidemment sur l'appli et sur le site internet de Sport en France. Merci Lauriane, merci messieurs de nous avoir accompagnés, faites-nous rêver encore cette année avec ces beaux résumés que l'on espère retrouver sur Sport en France et vous retrouver en pleine santé pour débriefer hein, cette saison. Au les cœurs, à vous les voyages. Mission à vous le plaisir. Acceptée. Merci messieurs, merci c'était beaucoup. En tout cas un grand kiff de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci aux équipes autour de François Caudal à la réalisation, Lucien Jahan à l'édition, Sandrine, Amélie, on a aussi Vincent qui nous ont accompagnés, sans qui cette retransmission n'aurait pas été possible. Ce sont nos Race Angels à nous. À très vite évidemment sur Sport en France pour un nouvel épisode du club. Bye bye.